Il y a certains chercheurs qui estiment qu'il y aurait potentiellement 250 millions de réfugiés climatiques d'ici la fin du siècle. Au Sénégal, c'est déjà une réalité. Les déplacés climatiques, ça peut paraître une notion abstraite ici. Nous, on a pu le voir sur le terrain, c'est pas quelque chose d'abstrait du tout, c'est quelque chose que les gens vivent tous les jours. C'est des personnes qui, à cause d'un changement environnemental, ont dû partir de leur maison, de leur lieu de vie, dans lequel ils ont toujours habité, et qui doivent reconstruire tout ça dans un autre endroit. On a rencontré une famille, la famille Fall, qui a particulièrement souffert lors de la dernière houle en novembre dernier et qui a perdu sa maison et deux membres de leur famille. C'est révoltant parce que tu sais qu'à côté, nous en tant qu'Occidentaux, on a une énorme responsabilité dans tous ces phénomènes et qu'on a du mal en fait à se sentir concerné de quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète. Le but de cette web-série documentaire, c'est d'essayer de nous sentir plus proches de toutes ces situations. On aimerait, dans les prochains chapitres, cette fois aller dans un pays européen pour montrer qu'il y a aussi des impacts, il y a aussi des souffrances et des réalités différentes.